Ça, c'est la meilleure chose dans les smoothies. Je viens de découvrir ça. Avec la couleur. Je viens juste de terminer de faire un petit unboxing sur Instagram parce que j'avais quelques petits colis qui s'étaient accumulés ici. J'ai reçu premièrement des shampoos, ben en fait des produits pour les cheveux de Matrix que je suis vraiment contente parce que j'avais déjà acheté leur shampoing dans le temps qui était un an. Moi j'avais pris celui-là qui était rouge puis je l'aimais vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, ils m'ont envoyé un, ça c'est le conditionneur, ils m'ont envoyé un shampoing pour aller avec ça et puis un petit traitement que tu laisses dans tes cheveux, fait que traitement ravivant sans ressage. J'aime toujours ça, ces affaires-là, parce que même quand j'ai mes cheveux secs, des fois, selon s'ils le permettent ou pas, là, ben j'en mets dessus, puis je trouve vraiment que ça fait une bonne différence. Sinon, j'ai reçu de la petite poudre de collagène, de Vital Protein. J'avais déjà essayé l'emballage bleu, mais je pense qu'ils ont sorti comme une nouvelle saveur. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Moi, je mélange ça avec justement mon café, des smoothies, des recettes en général. Puis c'est super bon justement pour la pousse des ongles, pour pas réparer tes cheveux, mais améliorer tes cheveux. Sinon, tout ce qui est pour la peau aussi, ça faisait une très belle différence. Et finalement, un petit case de Case Me que j'adore. Ils m'ont demandé si je voulais recevoir un de leurs cases de téléphone. Fait que j'ai choisi celui-là. Si jamais vous connaissez pas leur case de téléphone, c'est sûr que vous connaissez ça, là, mais si jamais c'est pas le cas, c'est probablement les cases de téléphone qui sont les plus résistants. C'est pas lui que j'ai présentement, mais j'en ai tellement de eux autres, fait que selon la saison, là, vu que j'aime vraiment leur case saisonnier, mais je trouvais ça parfait. Là, il est rendu 11h23. J'ai terminé de faire du montage, Anto, il travaille un petit peu. Il est allé porter son auto au garage aussi parce que il y a un rendez-vous pour son changement d'huile aujourd'hui, fait que il va revenir ici, on va pacter les deux voitures. Puis on va aller faire des petites commissions avant de se rendre à la maison. Je pense que le père Anto est déjà à la maison d'ailleurs. Ou en tout cas, s'il n'est pas déjà arrivé, il arrivait, c'était une question de minutes. Fait que, ouais, on va aller là aujourd'hui. Pour justement être correct dans notre temps, là, on stressait pas mal hier parce qu'on voyait que les journées avançaient. Puis, on est quand même... Oui, on a du temps pour faire des choses, mais on a quand même beaucoup de choses à faire. Fait que bref... On peut pas vraiment se permettre de prendre comme une journée off. Fait qu'on va passer comme pas mal toute l'après-midi puis sûrement une bonne partie de la soirée là-bas. Puis même chose pour le reste de la semaine. On est en train de pacter les autos. On essaie d'amener du stock à chaque fois justement pour que ce soit moins pire quand les déménageurs vont venir. Parce que mine de rien, ils sont payés à l'heure. Fait que plus on amène, moins ça va nous coûter cher. Puis de toute façon, on y va. Fait qu'on fait pas des voyages inutilement. Bon, fait qu'on est venu faire un petit tour au IKEA parce qu'il faut, on veut changer les luminaires. Puis tant qu'à enlever les autres, sûrement genre demain, on peut y aller. Okay. Tant qu'à enlever les autres, sûrement demain, ben on va, on va poser les nouveaux en même temps. Fait que on s'est dit qu'on allait arrêter faire un petit détour pour ça. T'as du fun avec ton panier? On a pris les shortcuts. On n'a pas de temps à perdre. La noire là, celle que j'aurais aimé avoir pour mon bureau. En haut. T'as trouvé-tu belle? Ouais, je pense que je vais prendre celle-là. On risque de prendre celle-là pour le corridor. Sauf que ça avec... On est sûr que c'est celle-là les ampoules? Je suis pas sûre. Pour une des chambres puis la salle à manger qu'on a dit? Ben l'ancienne salle à manger. Je pense qu'on va y aller avec ce modèle-là. Fait que il est pas dans les displays, mais il est là. Ouais, dans la cuisine. Non, mais tout ce qu'il y avait l'ancienne table. Ouais. Ouais, exact. Mais mettons au-dessus de la robot. Ah, ok.
une, deux, trois. Dans le noir un peu ici. Ouais, mais il y a plus de lumière, on l'a vu. On exclut. La personne qui parle. Comment ça va ton plat? 24. Ça va bien. Je me trouve la job. Ouais, tu te trouves la job? On me trouve encore. On est-tu fatigué? Oui. On a travaillé sur le plot presque toute la journée. En fait, tantôt que son père a travaillé sur le plot presque toute la journée. Moi, j'ai fait des cossins, genre à gauche, à droite, juste des. J'ai l'impression plein de petites gogosses. Fait que. Ça n'a pas été la journée la plus palpitante. On a sablé aussi un petit peu, mais on a replâtré. Puis demain, on va finir de sabler pour vrai pour commencer à peinturer! Wouhou! Ça, j'ai hâte. Ici, là, ça va être malade. Ton père, il va là? Non, pas encore. C'est ça, quand je suis arrivé, maintenant, j'ai vu la fiche. Ouais. J'ai vu entrepôt, là, j'étais comme « OK, club dépôt ». Puis là, je vois que c'est écrit « club entrepôt » qui est comme le genre faux Costco. Ouais. Là, j'étais comme « Ah, c'est ici ». Puis je me suis trompé avec mon GPS. Puis... En plus, on avançait, là, je l'ai vu, le porte-moulure, genre. Ouais. Mon beau-père nous parlait d'un endroit qui s'appelle porte-moulure. Attends, il est là. Dépôt. Parce qu'on est venu en deux autos. Ouais, porte-moulure, dépôt, puis il disait que ça valait vraiment la peine de regarder pour les portes. Puis les moulures, là-bas. Fait que hier, on a fait plein de calculs avant de partir pour regarder tout ce que ça nous prenait en termes de matériaux. La seule chose qu'on n'a pas regardé, c'est justement les moulures. Mais on veut juste venir voir, comparer les prix avec ceux du Canac qu'on connaît sur le bout des doigts. On a pacté l'auto encore et j'ai oublié mes batteries de caméra à la maison. Allô, c'est à toi que je parle. Quoi, excuse, je pensais que tu parlais. J'ai oublié mes batteries de caméra à la maison. Mais fait que même que tu y retournes, ça va te déranger de non, y penser. Non, ouais, faut que tu y penses. Ouais. Hier, on est revenu à la maison, il devait être genre quasiment 9h30. Ouais. Ça a fait une méchante journée, on arrive tard, mais on arrive tard à la maison, mais on part tard aussi, fait que... Ouais.
J'avais pas ça, ça. Ça aussi, c'est beau. Mais c'est où? C'est pour les arrondis? Ah, c'est vrai, j'ai même pas vu ça. C'est beau. Les portes de chambre. Ouais. On a besoin de marche. Ça, c'est quoi? Tu le fais teindre? Non, tu le teins toi-même. Tu le teins toi-même? Ouais. Tu demandes à mon père gentil de te le teindre. Ah ouais, il ferait ça? Ah oui, il est même moins cher. Ah oui, c'est ça, ça, c'est cher. Ce que celle du canac, je me souviens plus, il était combien? Oui. Ouais, fait que ces moulures-là. Il m'avait toi des petites pour faire les cadres de porte. Elles sont longues, là. Pour les cordes, j'avoue, parce que... Ça rentrera pas dans l'auto, sauf. Ah, comment on amène ça? On va le faire livrer. Le faire livrer, il ferait les fondus, là. Je pense pas, hein. Ouais, fait que ce qu'on regarde, c'est vraiment plus de quoi, genre de long comme ça. Les autres étaient 5 pouces. Ouais. Ceux-là sont 4,5. Pas si pire. Tiens, 4,5, mais ils sont moins longs. Ils sont moins longs? Ouais. Ça, c'est du 8 pieds, puis les autres, c'était du 12. Ouais. Pas payé. On a-tu le droit de venir ici? Hop. Oui, quelque chose comme ça. Oui, oh. Ça, c'est pour les salles, les portes des garde-robes. C'est vrai. Cette repeinture, anyway, en même temps. Tu fais un forever, tu fais repeindre pour ça. Fait que tu sais, le frame large, il est très large, ça. Mais. Ouais. Check ça. Ça, c'est nice. Fait que t'as le frame, check. Le frame extérieur. Ah, oui, c'est super. Puis, ça fit avec les moulures aussi, vu que c'est sensiblement la même largeur. Tu t'as le sort de là? Non, mais on va checker. Ouais. Ça va être pas pire, hein? Ah oui. Fait que ça, le plancher, si on le check. Avec, à côté de la céramique d'entrée. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Fait que ça. Ouais. Ça ressemble à ça. Ah, il y a un petit dent. C'est, il s'agit juste de trouver la bonne. Le bon dent. Ouf, ça fait une heure qu'on est là, puis c'est tellement passé de choses. On a Cynthia, la designer qui m'a fait affaire pour la salle de bain, qui est passée avec son assistante pour justement prendre des mesures, qu'on discute de nos différentes idées là, pour la salle de bain principale qui va être notre premier projet qu'on risque de faire cet été. J'suis en train de me faire un café parce que je suis brûlée. Puis on vient de se rendre compte, pendant qu'elle était là, que la peinture qu'on avait achetée pour toutes les murs n'était pas le bon fini. Fait que là, faut Anto vient de partir justement pour aller la changer. On avait 4 gros galons là. Fait que il est parti au canac. On va aller changer ça pour revenir. On va pouvoir commencer la peinture. Mais une chance qu'on avait rien commencé de peinture. Parce que sinon, ça aurait pas été une belle surprise. Chance qu'on a amené ça. Mais sinon, pour ce qui est de la salle de bain, je pense que ça va vraiment être un nice projet. Fait que elle devrait nous revenir avec les plans d'ici 3 semaines, je pense qu'elle avait l'air de nous dire. Puis on devrait faire ce projet-là dans les prochaines semaines. Fait que c'est sûr qu'on va être déménagé déjà ici quand ça va être le cas. Mais au moins, on va pouvoir avoir la salle de bain en bas pour justement se laver puis vivre kind of normalement. Non, je pense que ça va être avec vos armoires, ça va être très beau. Ouais, j'aime beaucoup la couleur, elle est parfaite. Bon, fait que la peinture de la chambre qui va commencer aujourd'hui. Fait que un petit visuel des murs, ça fera pas de tort. Tout le monde est sur les tâches. Moi, je suis en train d'enlever les stores qui sont dans la véranda parce qu'on va commencer à peinturer bientôt. Mais pour ça, il faut que justement toutes les stores soient enlevées. Anto est encore en train
d'assembler. Ça sent bien. Puis la peinture qui est commencée. Oh. Wow! Ça fait déjà un gros changement, hein? Fait que vu qu'ici, dans la véranda, c'est tout en bois, puis qu'il y a plein de petites crevasses dans chacune des lattes, faut qu'on fasse tout au pinceau. Fait que là, je vais faire le primer qu'on met dans des pots de yogourt. Ça, c'est vraiment pratique pour vrai quand vous déménagez, là. Tanto est en train de trouver, dans le fond, notre plafond dans le salon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils ont mis de la peinture à l'huile ou quoi. Mais il y a des places où est-ce qu'ils faisaient genre des waves. Puis quand on est allé s'informer, ils nous ont dit de gratter ça. Je pense que c'est dans ce bloc-ci. Bref, Tanto a trouvé d'autres spots à gratter. Fait que moi, je commence le primer de cette pièce-ci. C'est genre une des pièces que j'ai le plus hâte de voir le résultat final. Fait que. Qu'est-ce qui se passe? Très lourd par-dessus, très lourd. Faut tout enlever. Faut tout enlever pour pouvoir poser le plancher flottant et qu'il soit égal avec là. Tu nous aider? Ouais. Ah oui, allez faire. Avec ça, jamais on a peinture blanc. C'est juste le primer puis ça fait une belle différence là. On va faire celle de votre chambre et les autres là. Bon, je l'ai changé, je vais revenir. Non, pas de stress. Avec mon top d'outils et les affaires, ça presser l'électricité. Ramasse le chantier. Bon, fait que mon père et mon frère viennent de quitter. Tout le monde aussi pas mal, puis on a commencé à peinturer, c'est super cool, je suis vraiment contente, puis ça avance déjà pas mal, là. Fait qu'on va donner un gros coup dans les trois prochains jours aussi pour terminer la peinture. Puis ça ressemble pas mal à ça, fait que je pense que je vais terminer, bye, à demain! Je vais terminer le deuxième vlog de Renault là-dessus, je pense que ça va être passé bien des affaires. Fait que je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé, et on se revoit très bientôt, bye bye tout le monde!